Ah, oh, ça pue par ici! Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Duke Challenge! Mais Gigi, tu fais quoi? Gigi! Oh non! Qui c'est qui vient nous encucuner? Non! Non, Simone! Non, Simone! Bon, Simone est là. Et elle va s'occuper de notre gosse. Simone? Ah oh bah Albert! Oh, mais c'est pas possible, hein, tout ça! Oh là là! Ta fille, elle pue, hein, Gigi! Bah oui! Bon, voilà, hein! Et vous pouvez voir! C'est le bordel dans la maison! Vous pouvez voir que les enfants, les ados ne sont plus là! Parce qu'elle continue à crier sans crier! Je les ai déménagés donc chez Thomas et Denise, hein, comme prévu. Je me suis enlevé les 10 000 simfous, donc je ne suis plus qu'à 10 000. Et c'est déjà pas mal, hein, la dernière fois on a bien bossé. Et voilà, on a de nouveau de la place dans la maisonnée, ce qui veut dire un petit bébé en plus à fabriquer. Mais tu as pas changé son cul? Ah non, c'est toi qui pue, Gigi. Oh mince. Oh Albert, dédicace à tous ceux qui avaient aimé la dernière fois qu'Albert joue, ben voilà. Par contre, on va éteindre ça, éteindre. Voilà, qu'on n'entende que Albert. C'est beau. Allez, Florent, tu vas te réveiller. Gigi, tu vas venir ici. Parce que du coup, je sais pas, ils sont tous réveillés, les gosses. Tout le monde est réveillé, tout le monde est en pleine forme. Toi, tu vas aller dormir dans ton lit après. Hé, hey, Gigi, un peu de patience, un peu de courage. Florent, s'il te plaît, attends. Florent, oh là là, il est fatigué, ce garçon. Tu vas envoyer un baiser. C'est pas vrai. Mais quoi? Mais Gigi, reviens. Reviens, ton mari a quelque chose à te demander. Oh, la tête qu'elle fait, la pauvre. Tu vas complimenter l'art. Oh, la petite Chantal a grandi! Et c'est pas une blonde. Voilà, j'entends des pleurs, bah je suis d'accord. Chantal a vieilli. Chantal, on va la faire... pot de colle. Allez, je m'arrange rien, moi. La petite Chantal est là. La petite Chantal, les yeux verts et les cheveux bien noirs. Tu vas babiller, tu vas enlacer ta grande sœur. Pendant que Albert continue à jouer de la musica. Et toi, ah oui, la faim. Ah oui, je suis désolée. Tu vas quand même aller dormir, cocotte. Et puis, vous allez dormir toutes les deux. Vous allez nous laisser tranquilles, hein, ou quoi, ou qu'est-ce. Vous allez faire un petit dernier. Ou une petite dernière, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi t'es triste? Oh, tu me casses les couilles avec ton truc. Va dormir. Et hop. À un moment donné, vous me cassez les pieds et votre ours malade. Oui, il est malade, je suis triste. C'est qu'un putain d'ourson. C'est un objet. Ce n'est pas un être vivant. Bon, les bichettes. Voilà. Mais non, mais t'as vu que ta sœur est partie se coucher? Va te coucher, toi. Chantal. Le cul sale. Bon, elle a l'air kiki, hein, mais voilà. Elle n'est pas blonde, finalement. Pour l'instant, nous n'avons qu'un enfant blond. Et nous allons attendre, prochain, peut-être. Mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Gigi, la tête. Bon, le crac-crac était nul à chier. Donc, je ne veux pas réitérer, hein, tant pis. Hein, si elle n'est pas enceinte maintenant, eh ben, on attendra qu'ils soient en meilleure forme. En plus, elle n'a pas dormi, la pauvre. Vite fait, elle se nettoie les dents et les mains. Ça ne va pas améliorer les choses, mais quoique, ça remonte un peu. Hein. Et puis, elle va aller se coucher, parce que 6h du matin, la pauvre. La pauvre. Oi, 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 Pichette, Hélène, ça va pas. Ah oh bah, et Chantal, ça va pas forcément mieux. Bon, bah écoutez... Gigi non plus, hein. C'est un peu la cata aujourd'hui. Allez les petits enfants, allez à l'école. Je pense que c'est bientôt l'anniversaire du... Bah, pas bientôt, bientôt non plus, de Joseph, mais ça va bientôt. 4 jours, ouais ouais. Donc logiquement, en 2 épisodes, et après on passera en 1960. Donc ça va aller très vite tout ça. A tout à l'heure Geneviève.
Bon, ça va être une journée compliquée, je pense, pour la petite Gigi. Elle est dans un état et j'ai réussi enfin à lui faire aller sur le pot, mais c'est complicado, hein. Et elle n'est pas enceinte, ma Gigi, donc Oliver Bell. Non, on peut pas travailler, on a des enfants, on doit s'occuper de nos enfants. Donc bon, bah pour l'instant, elle n'est pas enceinte, mais on va s'y prendre ce soir, c'est pas grave. Quand Florent rentrera du travail, oups la boum, dans le lit. C'est l'heure de la sieste pour tout le monde. Pour les bichettes. Et pour Gigi aussi. Voilà. Parce que bon, hein, elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Donc profite que les petites dorment, qu'elles sont calmes, pour se reposer aussi. Et ben Denise revient encore une fois à la maison. Allez. Alors, Denisette. Denisette, elle n'est pas encore ado. Mais ça va pas tarder, hein. Je pense que de toute façon, qu'est-ce que tu fais? Mettre dans le panier à linge. Ah bah écoute, oui, d'accord. C'est comme tu veux. Et tu peux parler des jouets avec ta cousine, te plaindre de la pluie. Et demander à regarder les nuages, voilà. Bon. Gigi, elle s'est réveillée, elle va s'occuper des plantes, on va encore gagner des sous. On regarde, on a 10 098, on reviendra après. Alors ça y est, c'est fini? Ah non, il manque les carottes. Et ben donc ça fait 3 200 simflouzes par jour avec les plantes. C'est pas mal. Avec ça, on va bien remonter la pente. Moi, je vous le dis. Bon, je lui fais faire des recherches pour qu'elle améliore son skills en justement en jardin, en jardinerie, là, je sais pas quoi. Et puis après, bah, soit elle mange, soit elle se repose, soit on va faire une petite toile. Enfin bref, on va voilà. Les gamins. Elle discute avec sa cousine. Lui. Il fait ses devoirs, donc c'est parfait. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris d'où venait l'histoire du panier à linge. Il y a du linge dégueulasse. L'eau, elle est sale. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Du coup, le linge, il est tout mouillé puisqu'il pleut. Ok, toi, tu sonnes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il peut venir, ton frère, c'est pas un souci. Mais fais ta sieste, hein. Florent, tu vas jamais t'en... Voilà. Alors, qui c'est qui a mis de la musique là? Ça va pas? Non, pas de musique. Papa, il va se reposer. Maman, elle rend. Maman, maman. Oui, bah, t'iras faire les abeilles plus tard. Ah, bah, qu'est-ce. Daichi, qu'est-ce que t'as foutu avec ta lessive? Bon, ça va, il est en train de refaire les choses comme il faut. Ouf. Bon, Chantal, t'as encore réveillé ton père. Donc, Gigi. Gigi, tu vas aller voir ton. Attends, bah, Florent. Tant qu'à faire, tu peux le vendre à la galerie d'art. Le tableau de ta femme. Oui, oh là là. Et vous allez me faire un bébé, hein, même si son frère est là. Il est vraiment pas mal, le frère, hein, finalement. L'un ou l'autre, ça aurait été un bon choix, je pense. Qu'est-ce qui t'arrive, Gigi? Oh là là, dans un état. Bon, vous allez vous faire des mamours dans le lit, là. Un petit bébé, deux petits bébés, trois petits bébés. Il y a de la classe que pour deux, donc... Au mieux, au pire, c'est des jumeaux. Au mieux, c'en est qu'un seul. Bon, moi, les jumeaux. Allez hop! Allez faire des crapulades! Alors? C'était mieux maintenant, hein? C'était agréable. Bon. On va essayer de replanter une petite graine alors. Ouf, Gigi. Elle est dans un état, la pauvre! Ah, oh, punaise, de toute façon, elle pourra pas dormir longtemps. Parce qu'il faudra la faire aller manger et tout. Bah, allez, faites votre crapulade. Non, la petite, elle dort. Elle viendra pas. Tu lui parles pas, Gigi. Est-ce qu'elle a le truc, elle est buggée, je crois, un petit peu. Allez, bonne crapulade, les amoureux. Résultat, dans 24 heures ou moins que ça. Eh ben, boum! Trop d'émotions pour Gigi. Rien ne va plus. Ma pauvre, t'iras te prendre un bon pain de mousse après. Puis, qu'est-ce que tu fais aux toilettes, là, toi? Tu tueras. Voilà. Moi, elle dormira sûrement dans le bain, mais bon, au moins elle se lavera en même temps, enfin, elle sera bien, elle sera tranquille. Pauvre Bilette. Oh, punaise, Chantal. Chantal, qu'est-ce que t'es chiante! Bon sang! Elle est pas blonde, mais à l'intérieur de sa tête, elle l'est, hein, c'est pas possible. Allez, viens ici. On va te donner à bouffer, hein. Non, mais lui, là, hein, débile, tu peux pas faire à manger? Ah, punaise, attendez.
Non mais là ça danse, majordome, hein. Hop, il a faim, mais mange, fais à bouffer, je sais pas, fais un truc de ta vie, monsieur là. Tu fais quoi, toi? Ah, elle a pas du tout écouté ce que je lui ai demandé de faire. Bon, on va la laisser un peu dormir. Je pense qu'elle va être réveillée par. Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, moi, ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais de. Denise! Mais. Ok, j'ai rien dit. Denise a grandi! Denise! Oh, ah ouais! Elle ressemble bien à sa mère, quand même. Bon, bah voilà. Denise est une adolescente. C'est pas avec elle qu'on va passer la 1960, mais avec Jojo, hein. Mais bon, voilà. Elle est mignonne. Bah, elle est mignonne, mais elle ressemble un peu à sa mère, mais et un peu à son père. Donc voilà. Voilà, je la relouque à l'occasion. Non, mais voilà. Quand je vous dis que je sais pas ce qui se passe, Florent, il est descendu pour tomber dans les pommes. Je suis sûre que c'est à cause d'elle, là. Ah, oh, t'es chiante, Chantal, mais t'es chiante, va manger. Oh là 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 là. Ouais, voilà, il s'en va, lui. Mais c'est du grand n'importe quoi, hein. Franchement, du grand n'importe quoi. Non, mais même avec les lampes, il continue de à me casser les pieds, ce monstre. Je vérifie que j'ai bien mis la lampe, hein. Elle a pas de lampe! Eh ben, tu vas changer de lit. Tu vas aller dans celui-là. Allez, tu me casses pas les pieds. Parce que là, le monstre vient de devenir ami? C'est pas vrai. Mais bah tu peux garder ce lit-là. C'est la première fois que j'ai un enfant qui devient ami avec le monstre. Oh bah je suis sur les fesses. Allez. Ah, tu peux pas dormir. T'as fait tes devoirs déjà, hein? Quand même. Bon bah tu vas jouer un peu avec émotion et puis ça va te déstresser et puis après tu pourras être couché. Bon, il est 1h30 du matin. T'as pas du tout taffé, Florent, ça va pas du tout. Gigi. Ah, Gigi, elle a les deux petites flèches. Gigi, elle est enceinte. Ça, c'est bien, ma belle. Je suis contente. Bébé 5 est déjà en route. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on va laisser récupérer un peu. Bah, quasiment. Non, pas trop, parce que faut qu'il bosse. Faut qu'il fasse au moins une toile ou deux. Donc, il va me faire une toile réaliste à 75. Et une toile pour pâte à 75, puisque sinon pour son boulot, ça va pas. Putain, mais Chantal, j'en peux plus de celle-ci, hein. T'es fatiguée, tu vas dormir. À un moment donné, tu fais chier ton monde aussi. Mais parle à l'inconnu si tu veux. Mais ne casse pas les pieds. Tu vois pas que tes parents, ils sont en triste état à cause de toi, d'ailleurs, aussi en partie. Voilà. Oh là là, je parle à l'inconnu. Oh, prout, prout. Et après, tu iras te coucher. Par contre, la musique, là, hyper moderne, non merci. Puis c'est pas de la bonne qualité, en plus. La tête qu'elle fait est trop chouquette, par contre. Non, mais alors, Pierre-Nard, il m'a cassé le truc. Et Arthur qui essaie de réparer. Non, mais c'est un vrai bal des fantômes, hein. La nuit, ici. Il y en a un sympa, il y en a un autre pas sympa. Bon, ça dépend, des fois. C'est cool, il a eu besoin de faire qu'une seule toile, Florent. En plus, super bien, la toile. Donc on va pouvoir vendre ça et après il pourra aller se coucher. Bah punaise, il va être dans un état, le pauvre. Oh, travaille dans 5 heures. Il va être explosé de fatigue. Oh là là. Et comme je suis hyper sadique, je vais réveiller Gigi, qui elle a bien dormi. Et je vais leur refaire faire un bébé. Mais oui, même si je sais qu'elle est déjà enceinte, moi je m'en ça me dérange pas. Hein? Allez! Faites des crapulades, les amoureux. Je sais pas, je me dis des petits jumeaux pour finir, ce serait pas plus mal, hein, ce serait mignonné. Ah mais arrêtez de gueuler, les gosses! Oh, eh, j'en peux plus des bambins, mais c'est un enfer, ces trucs-là. Oh, tiens, j'ai mis par terre, viens bouffer ça. Et tu te tais. Quand c'est pas l'un, c'est quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Hein. Ça, pour nous casser les pieds, ça faire, les deux. Hein. Et elle. Il peut parler, il peut. Ah oui, on n'a pas de nounours ici. Bon, ben, va dormir. Ouais. Tu te tais, tu dors. Tu pues, c'est pas grave. Mais tu te tais et tu dors. Voilà. Alors, ça se passe bien? Bon, apparemment, même dans un état de fatigue très avancé, Florent arrive à assurer. Donc,
C'est une bonne chose pour tous les deux. Allez, je les laisse dormir, du moins, je les laisse dormir jusqu'à temps qu'il devra se lever pour aller au boulot. Et ça va attendre pas très longtemps. Hein. Il travaille à 9 h, quoi. Le pauvre. Allez, les gamins. À l'école. Florent, c'est dans pas longtemps. Je lui laisserai juste le temps d'aller pisser avant de partir. Parce que là, il va avoir très envie. Chantal, mais tu me pètes les noirs! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'elle est relou! Va, barre-toi! Oh! Ah non, mais là, franchement, j'en ai ma claque, hein, de celle-ci. Alors que Hélène, finalement, est moins relou en tant que bambine. Regardez-moi qu'elle galope là. Papa, qu'est-ce que je vais pas faire? Non, tu vas pas réveiller. Hein? Tu vas jouer, je m'en fous, mais tu réveilles pas Daichi, voilà. Tandis qu'elle, là. La puante, là, elle va aller manger, ça va la calmer déjà. Et dès que quelqu'un sera debout, ce sera bain. Voilà, et ça va lui remonter son attention et tout le bordel, parce que, oui. Hein, elle est chiante, la Chantal. Hein. La Chiantale, en fait, je vais l'appeler. Allez, Gigi, là, tu vas te réveiller. T'es quand même en meilleure forme. Tu vas manger, après, tu t'occuperas de tes chiardes, hein, parce que là. Et puis, il faudra préparer un petit gâtel d'anniversaire. Voilà. Pour Florent, puisque Florent grandit. Voilà, grandit. Il vieillit, on va dire plutôt à cet âge-là, parce qu'il peut plus grandir, il peut juste se choper des rides. Et oui, notre Florent d'amour, alors que Gigi, elle, est encore à fleur de l'âge, voyez, elle vieillit dans très longtemps encore. Eh bien, Florent vient devenir adulte, donc c'est pas grave. Il aura un peu de rides en plus, mais pas beaucoup. Donc pour l'instant, il sera encore largement. On pourra faire des crapulades avec lui pendant longtemps, je pense. Mais pas. Pas tout de suite. Disons qu'on pendant les années 60, je crois que ce sera du crac-crac à volonté, donc dans pas très longtemps. Tant mieux. Ah bah voilà. Ah bah on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps et je sais pas pourquoi ils nous l'ont refait revenir du boulot. Ouais, bon bah c'est pas grave, tu vas nous faire des toiles, hein. C'est pas comme si. Non, alors tu vas pas t'occuper de ta gosse. Elle est assez relou comme ça. Tu vas t'occuper de toi. Bon, Daichi se prend son bain tranquille. Tu vas prendre un bain. Tu vas te faire une sieste. Et t'iras manger. Voilà, tu prends soin de toi avant tout. Oh ben voilà. Non seulement son hygiène qui remonte, mais son attention aussi. Donc elle sera moins relou et elle pourra aller se pieuter après. Elle nous foutra la paix, la Chiantale. Ça se passe pas toujours comme on veut avec les abeilles, hein. Ah, tu vas pas te faire piquer. D'ailleurs, tu vas récupérer les seins. On va refaire le. On va les relâcher Quand ça va être dans le jardin, peut-être que ça fera des choses. Ce sera sympa ce qui va se passer. Voilà, du bon petit miel qu'on va pouvoir revendre. Du moins, j'espère. Qualité médiocre, mais c'est pas grave, ça nous fait quand même 72 simflouzes. Mais là, on est bien remonté la pente. Hein. 16 900, ça va. Ah non, hein, pas Chantal, et sérieusement, non. T'as récupéré les seins, super, tu vas venir là. Qu'est-ce qu'il fout là en dessous des. Tu viens là. Toi, tu me casses les pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Trop dégoûtant. Éclabousse dans une piscine. C'est elle qui fout le merdier, là! Va te pieuter, saleté! Ah, sérieusement! Chiantale! Ah, bah dis donc, je me plaignais d'Hélène, mais alors elle, c'est pas mieux, hein. Bon sang de bonsoir. Allez, tu vas polliniser les plantes à proximité. Voilà! Et on est content. Genre la prochaine fois, il faudrait que je le fasse quand il y a les fleurs, évidemment, avant de les récolter. Comme ils sont mignons, tous nos enfants. Oh, c'est trop chouquette. Alors, Gigi, tu vas manger, elle a fini son truc. Très bien. Toi, tu sonnes. C'est sa sœur. Ben, merci. Bon, il commence à être en sale état. Hein. On va vite aller le faire coucher parce que. Parce que voilà. Allez, tu vas vendre ça à une galerie d'art. Tu vas vendre celle-là aussi à une galerie d'art. On va gagner un peu plus d'argent grâce à ça. Oui, après tu iras aux toilettes et tu iras te coucher, mon petit Florin. Attention, à mon avis, ça va bientôt se déclarer pour Gigi. Réveille-toi. Petit Florent. Et ici, vous pouvez lui refaire un bébé. Du moins, un petit crac-crac. Parce que ça, son bidou va bientôt faire boum!
Sauf si c'est encore fait. Non, c'est pas encore déclaré. À quelle heure, à quelle heure, à quelle heure saurons-nous que bébé est ancré? Tadam. Allez, peut-être qu'on aura des jumeaux, hein. Franchement, hein, j'y crois pas. Mais toujours, il y a toujours une possibilité. Dans le Gly, j'ai eu deux fois des jumeaux sans le vouloir. Donc, voilà, pourquoi pas dans le Decade? Ce serait sympathique. Et si ça y est, deuxième trimestre en 24 heures, ça s'est déclaré pour Gigi. Bon, elle s'est pas levée pour l'annoncer, donc on verra ça dans l'épisode prochain. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à checker les pubs sur ma page YouTube qui est dans la description, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou le Discord. Je vous embrasse très fort en attendant pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!